pas, ne me consolez pas, laissez-moi parler. Consolez pas, je voudrais parler. Oui, la nuit s'approche, c'est le ténèbre. C'est la terreur, l'espoir est parti, la force aussi. Mais la foi demeure, je veux m'effrayer. Un sentier pour atteindre le rocher des âges. Dans son attribut du compatissant, oh, 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 qu'il me donne des saisons. Surtout ne me parle pas, ne me console pas, laissez-moi parler à ces rochers. Étancher ma soif, je veux parler à ces rochers. Ne me parlez pas, ne me consolez pas. Je voudrais parler. Oh, ne me parlez pas, ne me consolez pas. Je voudrais parler. Ces sont des moments forts que nous traversons dans la vie ou dans la foi chrétienne, et que l'entourage, voire même ton église, vient s'interposer entre toi et Dieu. Mais aie foi en celui qui peut tout changer. Dans un rocher solide, il peut donner des eaux. Surtout ne me parlez pas, ne me consolez pas, laissez-moi parler à ces rochers. Les rochers d'Agar, ces rochers de Samson, je voudrais. Laissez-moi parler, laissez-moi parler à ces rochers qui me donnent des eaux pour épancher ma soif. Je voudrais parler. Je voudrais parler. Je voudrais parler au Créateur.
suis arrivé au point où Job était allé pour refuser toute consolation. Il avait préféré au moins s'éteindre face à face de Dieu afin de lui dire ce qui n'allait pas. Mais sans succès, il s'en allait pour toquer à chaque porte de ses amis croyants, disant si jamais c'est Dieu passait par chez toi, Abigaël, veuillez lui dire, Joseph a besoin de toi. Surtout ne me parle pas, ma douleur est atroce. Laissez-moi parler à ces rochers, qu'il me donne des saisons pour étancher ma soif. C'est lui le rocher devant qui nous devons parler. En toutes circonstances, il est le seul à qui il faut amener tout ce que nous avons comme souci du cœur. Que son nom soit béni et loué à jamais. Ne me parle pas et ne me console pas. Les rochers de Samson, les rochers d'Agar, il est le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Et c'est à lui que nous devons toutes les requêtes, car le prophète a dit, il répond toujours à chaque prière faite avec sincérité. Amen. Amen. Sois béni, toi, les rochers des âges, les rocs séculaires, les rochers de ma confession. Sois béni. Sois loué, sois béni. Toi, les rochers de ma confession, le Dieu est toujours fidèle. C'est lui qui répond à chaque prière faite avec sincérité. Les rochers des âges, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Arroyo Branham. Oh, ne me parle pas, ne me parle pas, ne me console pas. Laissez-moi parler à ces rochers.